Voilà, nous sommes partis pour l'analyse des 50 points de Jamal Murray à la loupe. Et tout d'abord, le jeu sans ballon. Alors dans cette première action, on voit Jamal Murray qui donne son ballon et qui reçoit directement après un back screen, un écran dans le dos posé par Jokic. Dans cette deuxième action, après le split, Jokic, qui joue ici comme facilitateur, eh bien, va pouvoir donner un end-off à Jamal Murray qui va feinter l'écran dans le dos et puis qui va remonter pour pouvoir recevoir le shot. Dans cette situation, il reçoit un end-off, une passe de la main à la main de Jokic. Il va analyser la défense, voir que son défenseur passe sous l'écran, sous le end-off, et il va réattaquer. Faire une fin de shot. Après sa fin de shot, il rend le ballon à Jokic. Et dès qu'il rend le ballon à Jokic, il repart immédiatement pour reprendre à nouveau un end-off et pouvoir attaquer l'anneau. Dans cette situation, on a Will Barton qui passe à Monte Morris, qui donne tout de suite l'extra pass à Jamal Murray, qui avait très très bien été se positionner dans le coin, dans un spacing parfait. On revoit la situation, la passe et l'extra passe à Murray qui directement a été se placer dans le coin. Dans cette situation, après que Campazzo ait utilisé l'écran, Hartenstein va mettre un écran sur le défenseur de Jamal Murray. Le 27 de Denver lit très bien l'aide de Javel McGee et avec un pull-up, il peut prendre le shot derrière son coéquipier. On revoit la passe de Campazzo et le pull-up de Jamal Murray. Après cette perte de balle de Cleveland, Jokic joue comme point center. Jamal Murray court parfaitement dans le couloir extérieur. Et dans une situation de 5 contre 1, dans laquelle eh bien, on a bien l'impression que les joueurs de Cleveland abandonnaient déjà le match, Jokic peut servir Jamal Murray, qui à ce moment-là du match a l'occasion à 3 points d'égaler son record de carrière. Il plante son 3 points, ce qui vaut bien une petite danse. En défense, Cleveland joue ici dans une situation de Horns. Le joueur de Jamal Murray reçoit le ballon. Il va être actif avec ses mains, toucher le ballon juste au moment où son adversaire veut partir en dribble, ce qui lui permet de partir de l'autre côté du terrain pour placer un petit dunk. Dans la pénétration de Darius Garland et l'aide défensive de Jokic, on voit Jamal Murray qui tourne le dos à son défenseur. L'attaquant va très bien lire la situation et dans un circle move va attaquer dans son dos. Jokic va venir dans l'aide et Jamal Murray va immédiatement couper la ligne de passe. Jamal Murray est aussi dominant dans le 1 contre 1 au poste bas. On voit que les défenses le craignent car elles viennent régulièrement doubler sur lui. Jamal Murray enfonce son défenseur pendant que Michael Porter Jr. met un hammer screen à l'opposé et que le défenseur de Jokic vient aider et vient presque doubler. Jokic va très bien lire l'aide défensive de son joueur et va en profiter pour couper, pour enlever justement cette aide défensive. Jamal Murray va alors faire une fin de spin move pour pouvoir terminer par un fadeaway. On revoit ici la prise de position dos à l'anneau, l'aide défensive, le cut de Jokic pour enlever l'aide défensive et la fin de spin pour le fadeaway. Après l'écran de Campazzo et le switch de la défense de Cleveland, Murray va emmener son défenseur jusqu'au poste bas. Et avant que la défense n'ait eu le temps de venir doubler, il va également partir ici dans un fadeaway. Son utilisation du ball screen a été de toute beauté. Après le zipper screen, il va recevoir un ball screen. Il va attaquer en vitesse Javel McGee. Et avec une finition impasse, ce qui rend le contre compliqué pour le défenseur, il va pouvoir terminer à l'anneau. Si tu veux en savoir plus sur la finition impasse, il y a une vidéo sur la chaîne qui te l'explique plus en détail. Après l'écran de Jokic, Jamal Murray va feinter la passe derrière le dos pour le pop et terminer par un flotteur. Après un écran de Michael Porter Jr.,
et le end-off de Jokic, le meneur canadien de Denver attaque l'intérieur chevelu de Cleveland et ayant forcé l'aide défensive, il peut servir son partenaire qui sera ouvert pour un shot à 3 points. Dans cette situation, on voit Jokic qui place ses partenaires et Murray qui est patient pour pouvoir utiliser l'écran dans le meilleur timing possible. Les deux coéquipiers vont d'abord jouer une passe de la main à la main. La défense va passer sous l'écran. Jokic va très logiquement placer un rescreen. Et quand Jamal Murray voit les défenseurs de Cleveland refermer l'espace, eh bien il va se repousser pour un petit step back. Dans cette situation, on voit Jokic qui vient placer un écran haut, un high screen. Jamal Murray va changer de direction et attaquer. On voit ici que JaVale McGee est loin de son défenseur, ce qui va laisser l'espace à Murray pour prendre un shot à 3 points. On voit ici le changement de direction dans un timing parfait, ce qui lui permet d'amener son défenseur juste dans l'écran. Une autre situation dans laquelle l'écran vient alors que Jamal Murray est encore assez haut. À nouveau, une utilisation avec un timing parfait qui permet à son coéquipier de se placer parfaitement, les pieds bien au sol, sans bouger, et qui évite ainsi une faute offensive. On revoit l'écran parfaitement placé et l'arrêt en un temps de Jamal Murray et cette belle petite détente pour prendre le shoot. Dans cette situation au ralenti, on voit Hartenstein qui vient placer l'écran en changeant son angle d'écran au dernier moment. Jamal Murray, une fois de plus, s'arrête en un temps pour prendre le shot juste à la sortie de l'écran. On voit ici l'arrêt en un temps, typique des sorties d'écran de Murray. À nouveau ici un écran placé assez haut. À sortie de l'écran, Jamal Murray voit l'espace laissé entre JaVale McGee et le poseur d'écran. Et il va splitter l'écran en poussant le ballon bien devant lui. N'ayant pas complètement battu JaVale McGee, il va terminer par un petit flotteur. Jamal Murray va ici aussi jouer un split de screen, même si il y a beaucoup moins d'espace que dans la situation précédente. En plus, il va jouer ce split de screen avec un dribble entre les jambes. On revoit la situation du split et la finition avec le bras tendu pour pouvoir terminer le plus loin possible du défenseur. Voici le panier qui, à 2 minutes 49 de la fin du match, va l'amener vers ses 50 points. On voit Jokic qui dépasse le défenseur de Murray de manière nonchalante. Et juste après l'avoir dépassé, il va se retourner et placer l'écran. C'est aussi à ce moment-là que Jamal Murray met de la vitesse. Alors cela a un avantage, c'est que le défenseur n'est pas encore en vitesse et il n'y a pas de risque de choc brutal et pas de risque non plus de laisser la possibilité à l'arbitre de siffler une faute offensive sur cet écran. On voit ici que Jamal Murray a ramené juste à la sortie de l'écran son ballon sur sa main intérieure. Après un jab step dans le dribble, Murray va attaquer le défenseur vers l'intérieur en enlevant le bras du défenseur avec la main hors du dribble. Et il termine en poussant le ballon bien loin avec un dunk magnifique. Une bien belle manière de conclure un record de carrière. Jamal Murray a été chaud. Et quand on est chaud, on peut se permettre des shots à 3 points en transition. Et encore de la jouer à la Stephen Curry avec plus de dribbles que nécessaire et un shot contesté. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette analyse t'a plu, que tu as appris certaines choses. Et si tu aimes ce que l'on fait, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos.
Et puis, après t'être abonné, tu peux aller jeter un petit coup d'œil à nos autres vidéos.